à propos de la réflexion par un miroir sphérique dans le domaine de l'optique géométrique. La partie réfléchissante de cette surface d'une sphère est coloriée en bleu clair. Commençons par un peu de vocabulaire. Ce point, c'est le centre de la sphère. Ce point, c'est le milieu de ce rayon. Et ce milieu est appelé le foyer du miroir sphérique. Cette droite CF est appelée axe optique. Cette distance petit f, c'est-à-dire la moitié du rayon, est appelée distance focale du miroir. Ce rayon R1 est parallèle à l'axe optique. Nous l'appelons rayon parallèle. Ce rayon R2 passe par le foyer, c'est pourquoi nous l'appelons rayon focal. Ce rayon passe par le centre de la sphère, et pour ça, nous l'appelons rayon central. Ici, la surface réfléchissante du miroir sphérique se trouve à l'extérieur de la sphère. Encore une fois, les notions. Ce point, c'est le centre de la sphère. Ce point F, c'est-à-dire le milieu de ce rayon, est le foyer du miroir sphérique. Cette droite CF s'appelle l'axe optique. Cette distance petit f s'appelle distance focale du miroir. Ce rayon est parallèle à l'axe optique, donc nous l'appelons rayon parallèle. Le prolongement de ce rayon R2 passe par le foyer F, c'est pourquoi le rayon R2 s'appelle rayon focal. Et le prolongement de ce rayon lumineux R3 passe par le centre C, c'est pourquoi nous appelons ce rayon rayon central. Nous allons analyser l'image d'un objet par un miroir sphérique concave. Un miroir sphérique concave est formé par la surface intérieure d'une sphère. Devant un tel miroir, nous plaçons un objet et nous allons construire son image dans ce miroir sphérique. Pour cela, à partir du point supérieur de l'objet, nous traçons un rayon parallèle R1. Un tel rayon parallèle R1 se réfléchit par un miroir sphérique concave comme un rayon focal, donc comme ceci. Nous traçons aussi le prolongement de ce rayon derrière le miroir. Ensuite, nous traçons un rayon focal passant par le point supérieur de l'objet. Donc, le prolongement de ce rayon passe bien par le foyer. Et un tel rayon focal se réfléchit comme rayon parallèle, ici R4. Nous traçons également le prolongement de ce rayon derrière le miroir jusqu'au point d'intersection avec l'autre prolongement, donc jusqu'à ce point-là. Un rayon central R5 se réfléchit sur lui-même, donc comme ceci. C'est pourquoi le rayon central CF se réfléchit sur lui-même, ce qui signifie que l'image de ce point inférieur de l'objet se trouve également sur l'axe optique. Et de cela, nous pouvons déduire que l'image de cet objet se trouve ici. Quelqu'un qui regarde dans ce miroir voit que l'image dans le miroir est plus grande que l'objet. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on utilise souvent un miroir sphérique concave. C'est justement pour faire apparaître un objet plus grand, par exemple par un tel miroir cosmétique.
Si on s'écarte d'un tel miroir sphérique concave, on constate à partir d'un certain moment que l'image est plus petite et avec la tête vers le bas, elle est renversée. Testons cela à partir de ce modèle. Nous nous écartons loin assez du miroir, par exemple ici, gauche du point C. Un rayon parallèle R1 se réfléchit comme rayon focal R2. Un rayon focal R3 se réfléchit comme rayon parallèle R4. Et l'image doit se trouver à l'intersection de ces deux rayons-là, donc ce point-là, ça doit être l'image de ce point-là. C'est-à-dire que l'image de cet objet est bien plus petite que l'objet et elle est aussi renversée. Ici, nous construisons l'image de cet objet par ce miroir sphérique convexe. Un rayon parallèle R1 se réfléchit comme rayon focal R2. Nous veillons donc bien à ce que le prolongement de ce rayon R2 derrière le miroir passe par le foyer du miroir. Un rayon focal R3, il passe bien par le foyer, se réfléchit comme rayon parallèle R4. Et nous construisons également le prolongement de ce rayon réfléchi R4 derrière le miroir jusqu'au point d'intersection avec ce prolongement de ce rayon réfléchi R2, donc jusque là. L'image de cet objet doit donc se trouver ici. Et nous constatons qu'un observateur voit l'image de cet objet plus petite, mais pas renversée. Testons. Et vu que l'image est plus petite et pas renversée, on utilise de tels miroirs sphériques convexes justement pour cette raison-là. C'est pour faire apparaître un objet plus petit, comme dans ce miroir-là, et pour ainsi agrandir le champ de vision. Nous avons ici un miroir parabolique avec son sommet S, son foyer F et son axe optique FS. Tout rayon parallèle est réfléchi par ce miroir parabolique comme rayon focal. Donc, le rayon réfléchi de n'importe quel rayon parallèle passe par le foyer F de la parabole. Ceci se démontre mathématiquement, donc ce n'est pas de là plus près, ça c'est exact. Et d'ailleurs, cette propriété est utilisée dans les phares d'une telle voiture, phares qui ont la forme parabolique. On met l'ampoule au foyer et tout rayon focal sera réfléchi comme rayon parallèle et c'est ainsi que ces phares rayonnent bien vers l'avant. Ma première voiture avait cette allure-là. Nous construisons maintenant le cercle qui passe par ce sommet de la parabole et qui a ce point comme centre. Nous construisons également le milieu de ce rayon CS. Maintenant, je vais déformer la parabole pour qu'elle se mette bien le long de cette ligne, le long de cette circonférence, et en même temps, nous observons ce que fait le foyer F de la parabole. Nous voyons bien que la parabole se rapproche ici
de la circonférence et le foyer F se rapproche de plus en plus vers le point M. Nous voyons aussi que cette circonférence coïncide pratiquement avec cette parabole, là pas encore, là non plus, mais on peut dire qu'à partir de là, peu près, la parabole et la circonférence, c'est une même courbe. Mais ça, c'est de l'à peu près, c'est pas du rigoureux. Je donne à ce point-là une trace, et maintenant, je tire ce point. Nous voyons que la circonférence et la parabole coïncident pratiquement de là jusque là. Et c'est ainsi que, pour un tel miroir sphérique, de là jusque là, un rayon parallèle sera réfléchi et passera par ce milieu du rayon CS. Je vais masquer la circonférence ainsi que la parabole. Et nous voyons que ce miroir sphérique réfléchit un rayon parallèle comme rayon focal et le foyer, c'est le milieu de ce rayon de circonférence. Nous venons donc de voir que pour qu'un rayon parallèle soit réfléchi par un miroir sphérique concave en un rayon qui passe par le milieu du rayon de la sphère, nous devons juste prendre une toute petite partie de la sphère comme miroir. Puisqu'un rayon parallèle n'est réfléchi par le foyer que lorsque la courbure du miroir est très faible, et aussi pour simplifier les calculs, nous modélisons un tel miroir sphérique concave par un tel dessin, comme nous allons le voir dans les tutoriels qui suivent. Pour les mêmes raisons, nous modélisons un tel miroir sphérique convexe par un tel dessin.